Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment mettre votre plan à l'échelle de AutoCAD. Donc, pour ceux qui veulent par exemple faire des cotations dessus ou bien faire autre chose dans ce sens là, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur que ce soit sur AutoCAD ou bien sur électronique ou bien sur électricité industrielle. Ok, donc on va voir ici, on prend la cotation. Normalement d'ici jusque là c'est 100. Si vous mesurez, ça donne quoi? Quelque chose de 1,5057. Donc ce n'est pas à l'échelle. Donc pour le mettre à l'échelle, vous allez tout simplement, première des choses que vous allez faire, c'est sélectionner tout le dessin. Ok, vous sélectionnez le dessin entier. Alors vous allez au niveau de échelle qui est là, vous cliquez dessus. Ok, après maintenant on dit de spécifier un point de base. Moi le mien, je vais le spécifier ici. Ok, ici. Ensuite vous descendez tout en bas. Ok, il y a où c'est écrit SL, spécifier le facteur d'échelle ou copier référence. Donc vous allez cliquer sur référence. Ok, ensuite vous revenez au niveau de votre dessin, vous dites quoi, vous prenez un point ici, vous spécifiez le premier point, donc puis le deuxième point qui est là, et ensuite vous descendez en bas, vous écrivez 100. C'est à dire quoi, vous définissez la distance là qui est égale à 100. Ensuite vous cliquez sur entrée. Si vous cliquez sur entrée, vous allez dézoomer votre dessin, vous allez dézoomer votre plan. Maintenant c'est tout simplement fini. Donc on va vérifier ça. Ok, donc on va revenir ici, on prend cotation, on prend quoi de là. Okay. De là jusqu'à là. Ok. On m'a dit de là jusque là c'est 1300. Moi je trouve comme 1298,30, donc c'est équivaut à presque 1300. Donc comme je n'avais pas très bien ici collé ici, donc si vous collez ça très bien, ça va donner exactement pareil. Donc c'est le calcul qui est là, qui c'est à dire c'est fini. Donc vous avez mis votre plan à l'échelle, vous l'avez mis à l'échelle. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos en électronique, AutoCAD, électricité bâtiment, électricité industrielle. Par exemple, si nous prenons ici, normalement c'est 100. Donc normalement vous avez vu c'est 100. C'est 100 qui est là. Donc on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci.